Bonjour, soyez bienvenus. Je m'appelle Jonathan Charles. Je suis directeur exécutif pour la communication de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. J'ai travaillé aussi à BBC pendant plusieurs années et je suis animateur de cette session de cet après-midi. J'ai participé à différentes rencontres de FGI qui se Aujourd'hui, nous passaient en la réunissons de réalité. manière Aujourd'hui, on se virtuelle voit pour en ligne ouvrir et la c'est dans cette 15e session qui ouvre IGR. le Pendant 15e les 90 minutes à venir, nous FGI. allons Nous allons parler donc des voir problèmes les plus différents importants panélistes et nous allons qui traiter concernent de nombreuses aujourd'hui problématiques l'Internet. concernant Internet. Et nous allons Et nous allons donc donc bien sûr être en parler ligne de depuis notre nos, maison, chez depuis notre nous, de nos bureau aujourd'hui. bureaux. En tout cas, Aujourd'hui, les questions tout ce liées à qui concerne Internet sont beaucoup plus importantes Internet est plus qu'avant. Je important que parle jamais d'Irlande, avant. Moi, je parle nous avons de l'Irlande ici. Londres Donc, c'est pour en étant en cela train de passer par le que continent. l'Internet. Lou Jianmin, can you hear me? Jianmin Lou, can you hear me? Lou Jeanmin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Undersecretary General, can you hear us? Est-ce que Monsieur le sous-secrétaire d'État, est-ce que vous m'entendez? I'm sorry, I've Undersecretary General, are you there? some technical difficulties. We'll Monsieur le just. sous-secrétaire, est-ce que vous êtes avec nous? Malheureusement, nous avons quelques problèmes techniques. Il nous faut une trentaine de secondes pour résoudre le problème. OK. Jonathan, I'm connected. Jonathan, you're muted. Voilà, il paraît que je suis déjà connecté. Undersecretary General, can you hear us? Yes, I'm now. Oui. Monsieur le sous-secrétaire général, est-ce que vous nous entendez? Oui, donc voilà, on vous donne la parole maintenant. Pour que vous puissiez ouvrir notre rencontre, notre session. Merci, Jonathan, pour cette introduction. Excellence, chers participants, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir plutôt à vous tous, tous nos amis dans le monde entier. Au nom du secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, je vous salue à cette session d'ouverture du 15e forum sur la gouvernance de l'Internet, cette rencontre de leaders de haut niveau. Vu les conflits d'agenda, le secrétaire ne pourra pas participer à cette session d'ouverture, mais il va nous joindre à la session de clôture mardi suivant. Voilà, vu le COVID-19, cette session de cette année est organisée en ligne avec ce slogan « Virtuellement ensemble ». Ce forum est organisé par les Nations Unies, avec toute la famille des Nations Unies, avec des milliers de participants qui se sont connectés en ligne du monde entier
Et pendant cette session d'ouverture, nous allons donc écouter le Wolfgang Boskir, donc, qui est le président de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous donne la parole. His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Votre Excellence Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU, chers amis, chers invités, merci de m'avoir donné la possibilité de me présenter devant le 15e Forum sur la gouvernance de l'Internet. Je voudrais remercier le Secrétaire Général d'avoir initié cette discussion importante sur le fond. His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Excellencies, distinguished guests. Excellences, secrétaire général de l'ONU, chers amis, chers invités, merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole pendant cette 15e session du Forum. Je voudrais remercier le secrétaire général d'avoir initié ce forum important. Mesdames et messieurs, je vais parler très directement. L'objectif pour avoir l'objectif qui était prévu n'a pas été accompli parce que 3,6 milliards de personnes n'ont pas d'accès à l'Internet. Ce qui veut dire que c'est ce qui reste en contraste important par rapport à 87% par rapport aux pays développés. Cette distorsion met en relief d'autres inégalités qui existent. Il y a aussi plus d'hommes que de femmes qui utilisent Internet dans le monde entier. Tout cela se complique encore suite à COVID-19 qui met en relief toutes les inégalités qui existent. Tous les bénéfices que nous avons réussi à créer dans le monde entier, sans ce moyen important de développement, un moyen qui permet de s'adapter à la pandémie, les pays risquent de perdre le fruit du travail effectué par plusieurs générations. On pourrait donc discuter en disant que beaucoup d'actions ont été perturbées par la pandémie, mais pour ce qui concerne l'Internet, ça peut être tout l'envers. Donc, on peut utiliser la pandémie COVID-19 pour accélérer le développement de la communication électronique, pour investir dans le développement durable vise les objectifs de développement durable. Donc, améliorer l'accès numérique sera lié à différents dividendes liés à d'autres objectifs avec l'amélioration de l'éducation, avec meilleur emploi, avec une meilleure gouvernance et l'égalité de sexe. Cette communication accrue avec l'Internet aura aussi un potentiel pour l'économie et pour créer de nouveaux débouchés, pour créer de nouveaux marchés, par exemple dans le secteur bancaire en ligne. Un autre élément accélérateur pour atteindre les objectifs du développement durable est la nécessité de traiter l'inégalité d'accès aux ressources énergétiques renouvelables. Et ici, tout ce qui se passe sous les guides des Nations Unies sera une bonne opportunité, une bonne occasion pour réfléchir quels sont les liens entre toutes ces questions et pour décider du chemin à suivre. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez discuter, lorsque vous allez prendre la parole, je voudrais que vous preniez en compte toutes ces thématiques et que vous posiez la question suivante. Quels sont les défis majeurs qui ne permettent pas de mettre en place nos objectifs au niveau local, régional? Quel type de partenariat concernant les questions numériques sont le meilleur et fonctionnent le mieux? Et je voudrais, avant de terminer, je voudrais vous dire encore une chose. Nous ne devrions pas être satisfaits dans ce monde où la moitié de la population ont la meilleure communication que jamais, qu'avant,
et l'autre moitié n'a pas d'accès du tout. Je vous remercie pour cette opportunité qui m'a été attribuée et je vous souhaite une bonne discussion. Merci. Nous remercions le président de l'Assemblée générale pour cette discours d'ouverture. Maintenant, je voudrais demander aux excellences président du Conseil ECOSOC, donc M. Mounir Akram, M. l'ambassadeur, je vous donne la parole. Merci, M. le sous-secrétaire général, et merci de m'avoir invité à prendre la parole devant ce forum, à cette rencontre. Du forum intergouvernemental. Le fait que cette session virtuelle, la 15e rencontre du forum, est organisée par l'ONU et se déroule de façon virtuelle, c'est un signe qui nous montre la puissance des technologies numériques qui permettent aux gens de se rapprocher et de rechercher des solutions permettant d'atteindre le développement durable en ce temps difficile. Les technologies numériques ont permis un progrès sans précédent, néanmoins, ce progrès ne sont pas égaux. La gouvernance, la gestion des technologies numériques a une très grande importance. Les recherches les plus récentes montrent que nous avons ici affaire à une très forte concentration de ressources, de compétences, du potentiel, des aptitudes nécessaires pour gérer bien la transformation numérique. Les recherches montrent qu'il existe aussi un risque lié au fait que la future accélération et le développement numérique va approfondir le fossé existant et les inégalités en ce qui concerne l'accessibilité de ces ressources. Il nous faut donc faire plus d'efforts pour que cette gouvernance des technologies soit capable de suivre les technologies, parce que les lacunes qui existent au niveau de la gestion risquent de devenir le goulot d'étranglement qui ne vont pas faciliter l'utilisation de nouvelles technologies en pensant au développement durable. Cela est notamment visible lorsque nous voyons les méga-tendances dans ce domaine. Un développement du secteur des données, le circuit de données au niveau transfrontalier et aussi la domination du secteur téléinformatique et le fait qu'il est dominé par les grandes corporations internationales et finalement un rythme très accéléré et les changements sans précédent et les changements imprévisibles pour tout ce qui concerne la technologie numérique. Et puis, le point suivant, c'est la force toujours plus puissante avec laquelle la digitalisation oriente les autres changements aussi culturels. Le secteur privé qui contrôle 70% des infrastructures de l'informatique a une très forte responsabilité. Il est très important de se référer à différentes politiques, à différentes questions qui sont liées à de grandes sociétés technologiques. Je parle ici des thématiques fiscales ou concernant le prix, mais aussi je parle de certaines initiatives comme Fairtrade, la sécurité cybernétique, ou les crimes, la criminalité cybernétique, ou par exemple tout ce qui concerne la haine et la violence en utilisant l'Internet. Pour assurer la vie privée, la sécurité, la bonne gouvernance de données, ce sont d'autres questions de base vraiment fondamentales. Ce sont aussi des questions où la bonne gouvernance peut apporter des grands bénéfices, y compris une plus grande inclusion financière et l'accès aux services offerts en ligne. Mais un grand défi
qui aussi est un défi à long terme, est la lutte contre le fossé, la fracture numérique. 87% de personnes dans le pays développé ont accès à Internet et uniquement 19% de pays moins développés ont cet accès. La crise liée à COVID-19 souligne ce grand fossé, cette grande fracture numérique. Donc, une partie du monde utilise l'Internet, reste en contact, est actif sur le plan économique grâce à Internet. L'autre moitié vit dans un autre monde sans cette communication en devant faire face vraiment à la pauvreté. C'est pourquoi je suis persuadée que nous, les pays développés, nous devons, les pays développés, les pays en voie de développement doivent non seulement essayer de rattraper ce retard, mais plutôt faire un grand saut vers l'époque numérique. Nous devons nous concentrer sur l'intelligence artificielle, sur 5G et sur la bande large pour vraiment être à bord de cette économie basée sur la conscience. FGI devrait de façon permanente faire tout pour que le pays en voie de développement soit écouté, pour que ce pays puisse être présent dans tout ce qui concerne la gouvernance des technologies numériques. Cette gouvernance ne va pas exister sans cette approche pleinement inclusive basée sur la participation. La participation des entités qui représentent les pays en voie de développement est tout à fait nécessaire, indispensable, et doit être soutenue. L'ECOSOC, qui s'occupe aussi du développement des technologies, est un espace pour toutes ces actions inclusives et aussi le forum SBI qui va se réunir l'année prochaine à nouveau pour réfléchir encore une fois sur les progrès des technologies numériques et autres. Les défis liés à la numérisation, au développement nécessitent qu'on donne une réponse multilatérale et cohérente basée sur le potentiel de chacun des acteurs sur la scène internationale. La feuille de route du secrétaire général est une piste à suivre qui devrait ici être présent. Donc, je vous souhaite des discussions fructueuses pour ce monde d'aujourd'hui. Bien sûr, nous allons présenter les résultats de nos débats au Conseil économique et social. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence, chers participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant partager avec vous des remarques brèves concernant la réunion de cette année de l'IGF avant de passer au dialogue de haut niveau. L'IGF 2020 se réunit dans une situation spécifique du COVID-19 sous les auspices Internet pour la résistance humaine. Les technologies de l'Internet et numériques ont été présentes avant la pandémie, mais l'effet dévastateur du COVID a montré à quel point les technologies basées sur l'Internet étaient importantes du point de vue de notre vie quotidienne. Nous avons pu voir récemment une considérable transformation numérique et cette accélération numérique qui probablement continuera à progresser. Le secrétaire général de l'ONU, ensemble avec la chancelière allemande Angela Merkel, ont appelé à ce que l'IGF soit un forum qui réunirait toutes les parties intéressantes pour échanger, pour dialoguer, parler de nouvelles politiques, de nouvelles technologies, régir des règles communes et ensuite traduire ces idées vers d'autres forums. Cette année, dans le monde virtuel, je suis vraiment ravie
de voir qu'on travaille ensemble, qu'on continue à travailler ensemble, en fait, pour transformer l'IGF de manière telle qu'elle a été présentée par le secrétaire général à Berlin. Cette année, ce qui nous attend, c'est plus de 200 sessions qui sont concentrées sur 4 piliers, les données, environnement, données inclusives et confiance. Au niveau des leaders de haut niveau, nous allons nous concentrer de la gestion de l'Internet dans une ère d'incertitude. Alors, demain, il y aura une table ronde des parlementaires qui va se concentrer sur la communauté internationale pourrait-elle contribuer à une meilleure confiance, se reconstruire. La semaine dernière, en préparant le sommet, nous avons pu avec succès organiser un sommet des jeunes, parce que nous avons au sein de l'IGF une plateforme pour jeunes où ils peuvent discuter de leur impact sur la politique de l'Internet en tant que personnes qui sont des dirigeants et des autorités pour les jeunes. Je voudrais qu'ils sachent qu'il y a 4 questions qui sont les plus importantes pour nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre des yeux cette fracture numérique. Dans les pays en développement, seulement 19% d'habitants ont accès à l'Internet et peuvent fonctionner en ligne. Telle a été la situation, du moins en 2019. Donc, nous laissons derrière la plupart du monde. Ce que nous avons donc à faire maintenant, c'est introduire des solutions qui pourraient combler cette fracture numérique pour que l'utilisation et les profits de solutions numériques puissent concerner aussi les personnes qui sont délaissées, qui sont restées derrière nous. Il faut aussi, deuxièmement, combler la fracture numérique liée au sexe, parce que dans la plupart des pays, c'est surtout les hommes qui utilisent plus l'Internet que les femmes. Ici, je parle de pays en développement. Ça doit être donc l'un des éléments principaux de lutte. Troisièmement, nous devons être sûrs que l'Internet sera aussi accessible du point de vue économique à tout le monde, parce que l'Internet bon marché, ça reste toujours un défi pour la plupart des habitants du monde. Même dans le cadre de cette réunion virtuelle que nous avons maintenant de l'IGF, eh bien, il y a des personnes qui ont du mal à se connecter à l'Internet. Quatrièmement, il est temps d'investir davantage dans les compétences numériques et le développement du potentiel. Beaucoup de personnes ont un problème de connexion à l'Internet pour les raisons de manque de compétences, et il manque beaucoup de contenu en leur version linguistique. Donc, au sein de l'IGF, nous travaillons ensemble pour trouver des solutions aux problèmes que je viens de mentionner. Et donc, je vous rassure que la famille de l'ONU va intensifier ses efforts afin d'avoir un impact efficace et positif sur ces activités-là. Dans notre département d'ESA, nous sommes pleinement impliqués en ce qui concerne la coopération numérique. Nous voulons coopérer avec les parties intéressées de l'IGF pour renforcer ce forum. Je vous souhaite un débat fructueux. Merci beaucoup. Je donne la parole à notre modérateur, Jonathan. Merci beaucoup. Le sous-secrétaire général des affaires économiques et sociales. Excusez-nous des problèmes techniques au début. Ce sont des problèmes avec l'Internet, la connexion, ce qui est un peu ironique lorsqu'on parle d'Internet aujourd'hui, ce qui nous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, de problèmes à résoudre pour avoir cet accès à l'Internet pour tout le monde. Maintenant, nous allons commencer notre débat de haut niveau. Je vais vous présenter nos panélistes. Le président de la Fondation numérique suisse, représentant allemand, Hulin Zhao, qui représente Fidji, l'Union de télécommunications, ensuite Jeff Krissax, directeur du Centre de développement durable à l'Université de Columbia, Victoria Grant,
Anacreto de Moldovie et le président du Centre de la culture numérique au sein du Saint-Siège, nos joints du Vatican. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos intervenants. Nous allons aujourd'hui voir comment améliorer la gestion de l'Internet. Tout ceci dans un temps très difficile parce que l'Internet n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui. Nous travaillons de plus en plus en ligne dans cette époque de crise liée au COVID. Qu'est-ce qui reste à faire? Je commence par une question simple à tout le monde, c'est-à-dire dans quel domaine de vie la transformation numérique pourrait-elle avoir le plus d'impact? Premièrement, Doris, oui. Merci beaucoup. Premièrement, je considère que chaque aspect de notre vie va changer après l'application de la technologie numérique, mais les problèmes les plus considérables sont ceux qui sont liés à la communication, dont la preuve est notre réunion qui est maintenant virtuelle, ce qui n'a pas été possible auparavant. Donc, la communication entre les entreprises, au sein des entreprises, entre les gouvernements, dans des aspects différents, tout ceci va changer. Nos attitudes sociales vont changer, la façon de se communiquer va changer, mais aussi l'éducation va changer. Nous pouvons nous communiquer de façon très facile au niveau mondial. C'est un grand changement qui porte aussi des grandes opportunités. Deuxièmement, les finances. Je pense que la trésorerie, c'est quelque chose qui est déjà vétuste. Aujourd'hui, vu la pandémie, de plus en plus de personnes se servent de cartes bleues, aussi d'autres solutions qui sont disponibles. Même dans les pays en développement, on peut y observer beaucoup de changements pour ce qui est des personnes, par exemple, qui n'ont jamais eu de compte bancaire. Et maintenant, ces personnes-là ont beaucoup d'outils à leur disposition. Les petites entreprises se développent, évoluent, et beaucoup de personnes peuvent faire des virements, sont capables de le faire, ce qui n'a pas eu lieu auparavant, et peuvent gérer leur compte bancaire eux-mêmes, ce qui est aussi très important du point de vue de l'économie mondiale. Une autre question, c'est que notre monde maintenant, c'est un grand magasin, l'échange commercial a beaucoup changé, ce qui pose beaucoup de problèmes pour les pays en développement parce qu'ils doivent avoir l'accès à toutes ces technologies. Ça va nous permettre de transformer les entreprises entières et les modes de fonctionnement auxquels nous avons été habitués jusqu'à maintenant. Donc, pour cela, nous avons besoin de personnes hautement qualifiées, de savoir-faire, parce que la technologie, c'est quelque chose dans laquelle il faut investir. Les représentants de ma génération savent qu'il y a une grande fracture numérique entre les jeunes qui sont déjà habitués à utiliser de la nouvelle technologie et notre génération. La feuille de route que nous avons présentée au secrétaire général l'année dernière, dans le cadre de notre coopération numérique, eh bien, nous y avons énuméré tous les points de cette transformation, comment faire une construction inclusive et comment le faire. Donc, je suis vraiment ravie que le secrétaire général a présenté cette feuille de route et nous a montré comment on peut développer cet écosystème, le soutenir, appliquer toutes les solutions qui sont maintenant débattues lors de notre forum. Donc, nous attendons à plus de détails là-dessus. Merci, Doris. Merci d'avoir commencé ce débat. Maintenant, Thomas Herzenberg, qui représente le Parlement allemand, commissaire de la numérisation. Selon toi, quelles sont les grandes opportunités du développement numérique? Premièrement, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de faire ma présentation aujourd'hui. J'en suis vraiment ravie. Je suis aussi ravie que les opportunités qui se sont présentées l'année dernière lors de notre session à Berlin, et nous avons eu tous une très bonne expérience de cette réunion. Et je suis persuadée qu'un dialogue positif est très utile, que l'IGF a vraiment de gros objectifs. Il faut approcher plusieurs parties prenantes. Le gouvernement allemand a entrepris
plusieurs initiatives à l'issue de la réunion IGF, parce que ce qui est très important, c'est d'augmenter l'accessibilité de l'Internet. Donc, je pense que c'est ça le point le plus important. La conclusion la plus importante du COVID-19, c'est que nous voyons que c'est une impulsion pour une meilleure numérisation, surtout pour de telles économies que la nôtre et d'autres économies européennes. Ici, on peut voir très bien qu'il y a eu toujours un débat très large sur les défis et les opportunités de l'Internet. Mais maintenant, il faut surtout se concentrer maintenant sur les opportunités, non seulement sur les défis. Avant COVID-19, il y avait un long débat où toutes les parties prenantes étaient intéressées au développement de la technologie, de la vie, on débattait de la vie privée, etc. Mais pendant une période très courte, d'un jour à l'autre, grâce à COVID-19, nous avons appris que ce qui n'a pas été possible auparavant, maintenant est possible. Et malgré toutes les conséquences négatives du COVID-19, malgré les affaires et les entreprises qui ont souffert, les personnes qui ont souffert, je pense que toutefois, il y a beaucoup d'opportunités, dont l'une est la digitalisation. Comme j'ai déjà dit, un Internet ouvert, gratuit, c'est un défi important pour qu'on puisse assurer ce développement durable. Seulement en parlant de façon ouverte, on est capable de changer quelque chose. Bien sûr, nous sommes préoccupés par certaines choses qui sont liées à l'utilisation de l'Internet, mais nous nous réduisons au rôle de justement augmenter le rôle de l'Internet au sein de ce forum. Nous avons une stratégie au sein de notre gouvernement en Allemagne, c'est la stratégie numérique. Et il s'agit ici de compétitivité, de l'accès au marché ou d'autres domaines. Là, nous avons toujours besoin d'un meilleur environnement de fonctionnement, notamment d'un environnement numérique bien fonctionnement pour que la société civile et les entreprises se développent. Je pense que notre forum est le meilleur pour cela. Nous sommes aussi le leader dans la création des architectures à venir. Nous avons préparé les documents nécessaires. Nous avons préparé une structure de débat pour l'évolution de modèles à venir avec la participation de toutes les parties intéressantes de l'IGF. Je demande à ce qu'il y ait un débat plus intéressant, plus fructueux là-dessus. Merci beaucoup. Encore une question. Vous avez dit beaucoup de la transformation. Je me demande à quel point nous avons avancé à partir de la pandémie. On parle d'un grand pas en avant, c'est ça, dans notre ère numérique. Oui, bien sûr. Nous sommes maintenant en train d'observer un grand saut en avant, un grand pas en avant. C'est un bon changement. Lorsque nous voyons tous nos continents, nous pouvons voir que l'Europe a un plus grand potentiel dans le domaine de la numérisation que les autres continents. Donc, c'est pour cela que notre gouvernement veut faire face à ce défi. Nous avons préparé tout un écosystème, une stratégie. Nous nous concentrons sur la technologie blockchain. C'est justement ça. Là qu'il faut investir, parce que ce potentiel d'investissement existe partout dans le monde, surtout, tout de même, surtout en Europe. Merci beaucoup. Nous allons poser d'autres questions par la suite. Maintenant, passons aux questions liées à l'économie et numérisation dans le Pacifique, dans la région Pacifique, le Fidji. Où il y a le plus grand potentiel pour le développement durable pour vous, chez vous? Je pense que c'est vu dans plusieurs domaines. On a parlé auparavant de plusieurs domaines, de domaines financiers, etc. Ça a aussi une grande importance. Ce qui est le plus important, c'est d'assurer l'accès à des services auxquels ces personnes-là n'avaient pas encore accès auparavant. On a déjà entendu parler de différents pays. Chez nous, nous avons une quarantaine d'îles qui ne sont pas vraiment densément populées. Donc, le coût de connexion est vraiment élevé.
C'est évident. C'est donc l'effet de l'échelle au niveau économique qui a beaucoup d'importance. Il faut bien sûr assurer un bon financement de la part du gouvernement, numériser les zones rurales, améliorer le transport pour les personnes les plus démunies. Lorsqu'on parle de la situation liée au COVID-19, 202 jours sans aucune transmission horizontale a été dénotée. Donc, l'utilisation de plateformes numériques pourrait nous aider beaucoup. Notre économie dépend beaucoup du tourisme. Le tourisme a été considérablement touché par COVID-19. Bien sûr, il faut dire qu'il faut appliquer beaucoup plus de solutions technologiques aussi dans le tourisme et avoir accès à tous les outils nécessaires pour que tout le monde y ait accès. Une autre question liée au changement climatique. Eh bien, plusieurs fois, nous en avons parlé aussi. Dans le cadre de nos objectifs de développement, nous avons parlé de la lutte contre les problèmes liés au changement du climat. Alors, chez nous, ce qui est important, c'est le système d'alerte précoce dans le cadre du changement climatique. Vous avez parlé d'un coût très élevé lié à la connexion, l'installation de l'Internet dans toutes vos îles. Quelle aide pourrait-elle être assurée de la part de la communauté internationale pour votre pays? Il y a plusieurs méthodes de coopération. Par exemple, nous avons, excusez-moi, est-ce qu'on s'entend bien? Oui, oui, vous m'entendez? Peut-être vous ne m'entendez pas. Bon, passons à Huli Zhao, qui est le représentant de l'Union internationale de télécommunications. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour. Chers amis, je suis vraiment ravie de pouvoir me joindre à cette discussion, à ce débat. J'aime bien l'activité de l'IGF, ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous avez bien communiqué tout ce que nous avons dit à la société. Beaucoup d'informations ont été transmises à plusieurs personnes concernées. Je voudrais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, nous considérons que tout est sûr, mais sans technologie d'information, l'on serait dans une situation vraiment redoutable dans le contexte pandémique. Ces technologies nous ont permis de regagner notre normalité, mais il ne faut pas oublier que ces technologies et ces services d'information sont disponibles déjà depuis une vingtaine d'années grâce à un grand effort de toutes ces personnes qui l'ont créé. Et l'IGF, ensemble, dans le cadre de ce forum, doit tenir compte des conséquences de ce processus. La société d'information s'organise dans des endroits différents, à Genève, à Tunis, etc., et veut entreprendre des actions, des mesures visant à développer différents aspects et compétences. On ne se rend pas toujours compte de cela. Aujourd'hui, il s'avère que COVID-19 nous montre à quel point c'est important d'en discuter des technologies de l'information. Et grâce à l'effort considérable de personnes qui l'ont créé, nous avons l'application des technologies d'information qui est très large dans le monde entier. J'en suis vraiment fière, mais ici, il y a aussi des questions liées à la sécurité, à la confidentialité. Ici, je parle de plateformes telles que Zoom ou Interprofile. L'on me demande souvent quels sont les aspects de sécurité qui sont liés. Bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'on est obligé de se demander, de se poser des questions si ce genre de solutions doivent être appliquées, on répond que la sécurité dépend toujours de la qualité des services fournis. Mais tout ceci est accessible seulement à ceux qui sont connectés au système. En tant que président de notre union, je peux dire que certaines solutions ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, comment connecter tout le monde? Ça, c'est un grand défi. Monsieur le secrétaire, s'est déjà référé à ces questions-là, c'est-à-dire que l'Internet devait être accessible à un prix abordable. Comment le faire, donc? Si l'on devait agir de la même manière qu'avant, l'on n'atteindra jamais notre objectif. Il faut le faire de façon beaucoup plus innovante. Les signataires nous aident. Nous avons
des participants de haut niveau qui nous ont montré des idées très intéressantes. Donc, stratégiquement, c'est très important pour nous. Mais je considère que, ici, je peux vous citer un exemple très illustrant. Dans chaque pays, vous avez plusieurs opérateurs de télécommunications. C'est là-bas qu'on investit beaucoup dans les technologies d'information. Et aujourd'hui, lors du COVID, l'éducation se suit en ligne, notamment vos enfants y participent. Tout ceci grâce aux opérateurs qui sont présents sur votre marché. Eux, ils ont fait un grand effort. Donc, pour ce genre de télévisite médicale, d'éducation en ligne, tout ceci est très nécessaire. Et donc, justement, tel est mon message, c'est-à-dire qu'il faut changer de mentalité. Si nous agissons de la même manière qu'avant, nous ne serons jamais capables d'atteindre notre objectif de connecter tout le monde. Il faut s'engager, mobiliser tout le monde pour qu'on soit tous capables de travailler ensemble au sein de cette grande stratégie inclusive pour obtenir le soutien dans notre environnement. L'on ne peut pas le laisser à des ministères compétents. Si tout cela marche bien ensemble, je pense qu'on sera beaucoup plus efficace. Donc, tel est mon message principal au ministère des Finances, au ministère des Affaires étrangères du G20 et au ministère de la Santé. 4 I, ce sont mes priorités. À partir de l'année 2015, lorsque nous avons célébré le 110e anniversaire de notre organisation. Premièrement, infrastructure. Le premier I, l'infrastructure est très importante. Il faut élargir l'infrastructure déjà existante pour connecter plus de monde, moderniser pour que 5G soit accessible et soudainement. Donc, pour ça, nous avons besoin de plus d'investissements. À part cela, il faut investir davantage pour mieux connecter, par exemple, l'Afrique, les pays africains. Lors de la dernière année, nous avons eu besoin à peu près $1 milliard. Donc, pour assurer que les investissements se fassent. À part cela, nous avons besoin d'innovation pour qu'il y ait un environnement intelligent avec des idées innovantes. L'innovation ne concerne pas seulement la technologie, mais aussi la politique, la création de l'environnement. C'est là qu'il faut introduire de l'innovation aussi. Et le dernier I, c'est l'inclusivité. Donc, il faut être inclusif. Je suis à Genève, par exemple, et souvent on regarde à la télé en Suisse, on dit que les gens qui vivent là-bas à la montagne sont vieux, ils ne savent pas comment utiliser l'Internet. On leur dit de se renfermer chez eux, de rester chez soi, mais toutefois la communauté locale leur fournit des denrées alimentaires, mais pour payer, il faut qu'ils aillent au distributeur de billets. Ils ne savent pas comment payer par virement électronique. Le COVID nous a justement mené à apporter des changements dans notre vie. La réunion de l'IGF, comme j'ai déjà dit, avait une grande importance critique pour nous parce que c'est ça la plateforme où nous réunissons tous ensemble pour se pencher sur des idées communes, des solutions communes et aller de l'avant. Cette année, c'est le 15e anniversaire de l'IGF. Ça fait 15 ans que le forum a été créé. Ça veut dire qu'il faut encore continuer à développer cette plateforme pour encourager plus d'investissements dans l'infrastructure informatique, dans l'innovation. Et il faut aussi assurer que ce soit efficace pour tout le monde. Merci beaucoup. Et excusez-nous de prendre tellement de temps. Encore une chose, je sais que parmi les intervenants, nous avons le représentant du Saint-Siège. Je lui ai rendu visite. C'était en 2017 et le pape, à ce moment-là, soutenait beaucoup les technologies d'information pour que cette infrastructure se développe davantage. Et à ce moment-là, le pape était tellement
ferme en ce qui concerne ces messages. Et j'ai transmis ce message lors de la conférence internationale de télécommunication en Argentine en octobre, en disant que le pape soutenait les technologies d'information. Et il parlait ici, il s'adressait surtout aux handicapés et aux migrants, aux personnes démunies, exclues. On était vraiment satisfait en écoutant ces mots parce que l'on voyait que le pape était capable de fournir toutes les ressources nécessaires pour se concentrer sur le développement de ce forum. Merci beaucoup. Merci, Jean. Bien sûr, nous savons qu'il faut investir dans les infrastructures. Le problème de Londres maintenant, je suis d'ailleurs persuadée qu'il y a tant de personnes qui travaillent depuis leur maison, de chez eux pendant le confinement. Donc, pour les infrastructures, ce n'est pas facile pour tenir cette charge. Et donc, c'est difficile, c'est une expérience difficile pour beaucoup de personnes. Avant de venir ici, il y avait une question à Fidji. J'espère que le ministre à Fidji est toujours avec nous. Donc, qu'est-ce que vous croyez que la communauté internationale pourrait faire pour vous aider à Fidji, sachant qu'il y a des centaines d'îles où il n'y a pas d'infrastructure suffisante? Oui, donc par exemple, nous avons un programme qui est réalisé avec la Banque mondiale. La Banque mondiale nous permet de financer la capacité pour connecter les îles les plus grandes, mais il y a beaucoup de régions qui sont très peuplées et qui n'ont pas d'accès à Internet. Sur les îles plus petites, c'est loin, c'est très éloigné dans le Pacifique. Mais il faut aussi travailler avec ITU, par exemple, pour assurer les fréquences nécessaires. Et d'autre part, pour la communication par radio, le gouvernement japonais assure aussi le financement pour assurer les stations par radio qui permettraient de connecter au système des îles très éloignées. Nous devons aussi savoir qu'il existe différents programmes liés au changement climatique. Pour ces questions, toutes les connexions, c'est vraiment essentiel. Donc, en fonction du niveau d'expérience, d'expertise, on peut aussi être utile et aider. C'est très important ce que vous venez de dire. C'est important aussi pour les économies en développement. Donc, on a parlé du pape. Donc, maintenant, on va demander au Monseigneur Paul Tay, qui est le représentant du Vatican, pour nous dire quelle est votre optique. Vatican, c'est une chose, mais à part cela, le Vatican est vraiment le centre de la communauté de la foi. Et la façon dont nous regardons le culte, la transformation, nous essayons de faire en sorte que nos populations, nos communautés communiquent entre elles pour qu'elles puissent célébrer aussi la messe, même si les participants sont très éloignés du lieu du culte. Donc, nous regardons le ICT du point de vue de la technologie que nous devons comprendre, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passe au niveau de la transformation numérique lorsqu'elle a un impact sur les populations, comment nous communiquons entre nous, quelles sont nos relations entre nous. Vous parlez de beaucoup de personnes disaient depuis des années quelles sont les interdépendances, combien les interdépendances sont importantes, la coopération numérique. Mais si nous parlons de ces interdépendances, il faut aussi, il ne faut pas oublier notre interdépendance de valeurs. C'est très visible dans la solidarité qui existe entre les gens. Donc, il faut sortir au-delà de la tolérance des uns à l'égard des autres, mais aussi il faut parler de l'importance de s'exprimer en tant qu'une grande famille humaine qui vit la même maison. Donc, quelques mots sur la transformation numérique. Dans la perspective du Vatican, alors comment fonctionne cette transformation? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. Je pense qu'il y a des questions qui sont posées
concernant la, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est aussi une question importante si nous parlons de la transformation numérique, si nous parlons de notre responsabilité de charge à la maison, ce que notre partenaire fait. Mais il faut aussi, ce qui me préoccupe aussi, c'est que beaucoup de personnes travaillent de chez eux, donc en nous perdant ce sentiment de solidarité entre les gens qui travaillent ensemble. On n'a plus de sentiment d'être ensemble. Nous avons cette plateforme commune. Maintenant, si nous regardons l'avenir, il y aura de plus en plus de travail à réaliser à distance, mais il faudra quand même garder, maintenir ce lien avec le lieu de travail. Donc, en tant qu'endroit où nous pouvons contribuer, où nous pouvons faire quelque chose pour la population, nous, il sera possible aussi de nouer des liens avec les collaborateurs. Pour l'éducation, il y a beaucoup d'éducation qui maintenant est réalisée aussi dans, dans la sphère digitale. Et il y a cette fracture numérique qui existe parfois entre les gens qui vivent sous le même toit. Donc, nous ne pouvons pas oublier cela lorsque nous mettons en place différentes solutions. Et nous devons aussi savoir que les enfants qui ont ou qui n'ont pas d'accès à l'éducation et les écoles assurent non seulement l'éducation, mais aussi c'est un endroit où les élèves peuvent être pris en charge, où ils peuvent manger. Dans cette ère numérique, nous ne pouvons pas le faire. Ensuite, il y a l'élément suivant, les plateformes qui devraient nous rapprocher les uns des autres, parfois mettant en relief les inégalités, ce qui est préoccupant, bien sûr. Is Jonathan online? Est-ce que Jonathan est avec nous? Apologies, we are aware that there's some connectivity issue. That's the same for some of the panelists this morning. Excusez-moi, il paraît qu'il y a quelques problèmes techniques. Quelques panélistes sont concernés. Donc, soyez patients, 30 secondes. Pour que notre animateur puisse se connecter à nouveau. Thank you very much indeed, Paul Tai. Let's turn to Chat Garcia Ramilo, the executive director. Merci, Paul Tai. Et maintenant, la personne suivante qui est en charge de la communication progressive. Merci. Ce que nous voyons à l'époque de la pandémie, c'est que nous avons des contextes très variés. Nous pensons que ces inégalités dont nous avons parlé avant sont très variées, très différentes, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et ce qui a ce que l'accélération du développement des technologies numériques a mis en évidence, cela, c'est quelque chose que nous devons traiter lorsque nous parlons des inégalités numériques. Il y a donc des personnes, des groupes qui historiquement ont été discriminés pour des raisons de race, de culture, etc. Ce sont des choses, bien sûr, très importantes que nous devons toujours regarder de près. Donc, il ne s'agit pas uniquement de certains domaines qui sont impactés, mais aussi de personnes qui sont impactées par ces inégalités. Les technologies numériques concernent la quasi-totalité de notre vie, mais nous avons différentes inégalités, différentes injustices. Je voudrais souligner que nous devons nous référer à ce fossé, à ces fractures qui existent, qui peut maintenant risque de se renforcer, comme nous l'avons dit pendant la session d'ouverture déjà. Cette fracture numérique a été déjà mentionnée. Beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas d'accès, notamment dans le pays en voie de développement, ce sont des femmes, le plus souvent ce sont aussi des personnes dans les zones rurales.
Et encore un domaine qui est important, c'est que l'Internet est un endroit où on peut s'organiser, on peut se rassembler, on peut... c'est quelque chose qui autonomise les gens, qui renforce les gens, qui renforce le sentiment de l'appartenance. Le contrôle de la digitalisation, le contrôle de nos données à caractère personnel, ce contrôle de plus en plus se concentre dans les mains uniques. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le travail à cause de la pandémie, mais nous voyons aussi des très grands avantages réalisés par des grandes sociétés, des grandes corporations technologiques. C'est elles qui sont gagnantes parce que nous tous avons besoin de ces plateformes, nous tous avons besoin, nous devons les utiliser. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi regarder de près si nous voulons vraiment traiter au sérieux la question des inégalités. Cette concentration a aussi effet le contrôle des contenus qui sont présentés dans la sphère publique. C'est cette sphère en ligne qui est devenue la sphère publique et c'est quelque chose que nous devrions analyser plus profondément si nous voulons résoudre les problèmes des inégalités et de l'injustice. Je voudrais aussi souligner encore une fois l'impact sur l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes applications très efficaces de technologies informatiques pour l'environnement, donc pour le développement durable, par exemple. Et la pandémie a aussi augmenté le besoin en services numériques. Ça crée aussi un vrai défi pour nous qui, d'ailleurs, peut avoir un impact sur la situation climatique, qui aura un impact sur cette situation climatique. Nous savons par exemple que sur le Pacifique, la situation est plus difficile. Donc encore une fois, je voudrais souligner que pour ne pas approfondir les inégalités existantes, il faudrait attacher plus d'importance à la compréhension des choses, pour savoir comment cette situation est impactée, quels sont les secteurs qui sont impactés. Parfois, la réponse à donner sera variée. Il est difficile de trouver une réponse universelle. La transformation numérique en tant que telle ne doit pas être bonne. Il est nécessaire qu'il y ait une intervention de la part de la politique publique. Bien sûr, il faut assurer un Internet libre et ouvert, mais aussi il faut avoir les interventions concernant la crise climatique. Merci. Alors, maintenant, quel est l'impact sur l'économie? Alors, Jeffrey Sachs, de ton point de vue, comment les choses se passent? Jeffrey, merci. Une très bonne discussion. Je pense que tout le monde est d'accord que nous vivons dans l'ère numérique. Les technologies sont très performantes, très efficaces pour l'éducation, les finances, le secteur de soins, le commerce, la gestion et beaucoup d'autres domaines économiques qui sont liés à l'économie. Donc, cette digitalisation a cet effet de disruption digitale. Tout a accéléré énormément au courant 2020. Nous devons donc faire face à deux défis majeurs, au moins deux. Au début, hein. Donc premièrement, l'accès universel, général, ce n'est pas tellement coûteux, ça ne coûte pas vraiment très cher, mais cela peut quand même prendre encore 10 ou 20 ans parce que nous ne pouvons pas attendre que tel ou autre secteur économique puisse être efficace sans pouvoir accéder à Internet et nous ne pouvons pas s'attendre à ce que le citoyen soit efficace comme citoyen s'ils n'ont pas d'accès aux informations, aux services numériques, s'ils ne sont pas capables de se connecter à différents domaines. Donc, nous devons vraiment développer l'accessibilité. Ça, c'est essentiel. Et c'est une technologie vraiment à l'échelle, donc pour créer
une sorte d'agenda, on peut dire qu'au cours de quelques années à venir, on devrait être capable d'avoir cet accès. La question maintenant qui se pose concerne le finance. Donc, tout d'abord, Dieu merci, nous avons Biden, Joe Biden, qui a été élu président des États-Unis. Donc, probablement, on pourra s'attendre à une bonne coopération avec les États-Unis. Et les États-Unis restent le leader numérique dans le monde. Les États-Unis contrôlent toujours les plateformes majeures, Facebook, Amazon, donc Microsoft d'ailleurs aussi. Ce sont les portails, les sites majeurs les plus importants dans le monde qui génèrent énormément de bénéfices, vraiment de bénéfices incroyables. Donc, les États-Unis sont responsables de tout cela. Bien sûr, sous l'égide de Trump, cela ne se développait pas, mais maintenant, il y a de. Nous espérons que ça va, ça va revenir. La Chine a investi énormément. La Chine nous fournit la technologie aussi vers les pays en voie de développement. Il y avait aussi des attaques américaines faites par Trump contre la Chine. Les États-Unis restent un peu en arrière pour la technologie 5G, donc ils ont essayé de faire tout pour ralentir la Chine dans leur le développement des investissements dans cette technologie. Et j'espère que ce type d'action qui était complètement insensée vont s'arrêter. Et ce dont nous avons besoin maintenant, sont les investissements chinois, parce que la Chine sont vraiment très avancés en ce qui concerne l'utilisation de ces technologies pour la population. Il y a le plus grand nombre d'Internet. Le système qui dessert de millions de personnes, ça fonctionne vraiment à merveille. Donc, ce que je voudrais vous transmettre, hein, c'est notamment de prévoir une perspective temporelle jusqu'à 2030, peut-être avant. Il y a quelques grands acteurs sur le marché qui ont une grande responsabilité à assumer, et c'est dans l'air, bien sûr. Voilà, on doit assurer cet accès universel. Sans cela, on va donc avoir une classe de personnes qui n'ont pas d'accès à Internet, qui ne pourront pas fonctionner sans cela. À la fin, je voudrais dire que le volume de biens créés, du bénéfice créé qui est lié à tout cela, devrait nous aider à se concentrer mieux sur ce dont nous parlons. Nous avons plus de 70 milliardaires numériques qui ont 1,9 trillion de dollars. Donc, il s'agit de ce 70 grands billionnaires qui ont 600 millions de dollars de bénéfices. Il s'agit de sommes importantes, énormes, qui sont dans les mains de 68 personnes comme Gates ou Zuckerberg. Vous avez gagné des fortunes, des dizaines de milliards de dollars. Monsieur Bezos, aujourd'hui, sa valeur, c'était 184 milliards de dollars ce matin. Donc, j'ai ici l'évaluation concernant les pratiques qui montrent comment Amazon utilise son rôle de monopoliste, sa fonction de monopoliste. Donc, ce n'est pas la question d'où on peut prendre des millions, des milliards de dollars. Il y a vraiment de très grandes sommes qui sont utilisées par très peu de personnes. Nous devons donc devenir plus sages pour que ce 68 milliardaires ne nous contrôlent pas complètement. Nous devons agir en tant que population, société, communauté. Je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est plus simple maintenant qu'avant le 3 novembre. Mais bien sûr, nous avons toujours une situation difficile qui est devant nous, mais nous avons aussi une grande
chance, cette opportunité que nous avons, cette technologie qui est vraiment technologie à l'échelle, et que nous pouvons donc augmenter la portée de cette technologie dans les quelques années à venir. C'est, bien sûr, c'est la question de savoir qui va payer si les infrastructures existent et couvrent la quasi-totalité du monde. Ceux qui ne sont pas en ligne, ce sont ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter le transfert de données, le matériel. Donc, si nous savons résoudre le problème en disant, par exemple, à ces sociétés, voilà, il faut que vous donniez cet accès à Internet à tout le monde, c'est vous qui fournissez, c'est tout. Et là, nous serons capables de le faire, mais je pense que la discussion pourrait bien sûr être poursuivie longtemps. Tout le monde va dans un bon sens, mais maintenant on a cette grande opportunité, juste une petite chose à la fin. Quelles que soient les circonstances, beaucoup de lieux de travail seront créés et seront perdus. Donc, ces technologies permettent de transmettre certaines tâches réalisées par les gens aux machines. Donc, bien sûr, il y aura donc des emplois qui seront perdus. Il faut donc assurer des impôts en bénéfice pour les partager avec le reste de la population. Sans cela, on va avoir juste ces milliardaires dont je vous ai parlé. Merci. Je vois que vous avez très bien fait un récapitulatif de la situation. Maintenant, le représentant du WhatsApp, bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de nous avoir réunis en ligne dans ces temps tellement difficiles et bizarres. Il n'y a rien de plus important que de s'assurer que l'Internet soit ouvert et sûr et pourrait réagir aux besoins de nos temps. Donc, l'on a pu déjà voir que, vu au coronavirus, notre réunion d'aujourd'hui se fait de manière virtuelle, comme beaucoup d'autres réunions, comme beaucoup d'autres débats. D'ailleurs, dans le monde entier, se font en ligne. Des milliards de personnes utilisent WhatsApp au quotidien pour parler, pour communiquer avec leurs proches, avec leurs amis, pour apprendre, pour éduquer, pour se connecter avec un médecin, pour faire des achats en temps de pandémie. En Indonésie, plus de 50% de consommateurs ont utilisé WhatsApp pour faire des achats ou communiquer dans le domaine des entreprises. Nous travaillons beaucoup pour créer de nouveaux outils qui pourront faire des paiements au sein de notre application. Nous l'avons déjà d'ailleurs introduit en Inde et prochainement, ça va se faire aussi au Brésil. Tout ceci pour soutenir dans un moment difficile aussi bien les entreprises que les consommateurs. Les grandes populations dans plusieurs pays où WhatsApp fonctionne. Eh bien, nous sommes persuadés que nous serons capables de réaliser toutes ces mesures et partager les informations auxquelles nous avons accès. Il s'agit d'informations bancaires, financières, médicales, des questions critiques, des informations critiques. Traditionnellement, nous avons toujours appuyé sur les droits de l'individu, la transparence. C'est aussi au cœur de notre activité, de l'activité de WhatsApp. Nous sommes persuadés que chaque personne a droit à sa propre conversation privée. À ce moment-là, l'on est plus ouvert, l'on se sent plus à l'aise si nous savons qu'il n'y a pas de monitoring, de suivi de notre conversation, que ce que l'on est en train de dire ne pourrait pas être enregistré. Comme nous passons de plus en plus de notre vie en ligne, aussi à cause du COVID, il faut faire de notre mieux pour augmenter le niveau de sécurité. Il ne faut pas seulement accepter que la sécurité soit moins élevée parce qu'on est en ligne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous utilisons la technologie d'encryptage la plus sûre pour assurer la sécurité des milliards de conversations qui se déroulent sur WhatsApp. Avec fierté, nous donnons cette technologie gratuitement à plus de 2 milliards d'utilisateurs. Nous sommes aussi fiers que les plateformes qui offrent ce genre d'encryptage et de sécurité sont plus avancées que les autres, c'est-à-dire que les plateformes
qui ont de l'encryptage sont vraiment avancés. Zoom, lui aussi, lors du COVID, a changé sa politique. Malgré cela, il y a eu beaucoup de propositions qui nous déçoivent, aussi dans les pays démocratiques, visant à ce que l'on réduise ces éléments de sécurité dans les temps où ils sont vraiment nécessaires. En fait. Et nous voyons, par exemple, que des choses de ce genre se passent en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Inde, au Brésil. Nous sommes décidément engagés à ce que l'on lutte pour ces éléments de sécurité parce que ça décide de notre sécurité individuelle et collective. Et c'est justement l'avantage le plus considérable qu'on peut apporter dans l'Internet sûr. Plus on est connecté, plus il y a à sécuriser. Merci beaucoup. Merci, Victoria. Maintenant, à la fin, Pamela Creto, représentante des jeunes de Moldavie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. C'est un grand honneur pour moi. C'est un grand plaisir pour moi. Je voudrais tout d'abord partager une série de réflexions. La transformation numérique, sans doute, a eu un grand impact dans les dernières décennies sur notre vie. Et ici, je voudrais d'ailleurs me référer à une série de points. L'éducation de haute qualité, c'est ça l'objectif numéro 4 du développement durable, c'est ça. Donc, cette éducation a vraiment profité de l'apparition des outils numériques, de l'apprentissage à distance, parce qu'on s'est ouvert plus aux programmes d'éducation pour beaucoup de jeunes qui autrement n'auraient pas accès à ce genre de programme. Les technologies d'information sont aujourd'hui utilisées par des institutions d'éducation et des écoles qui nous apprennent à développer nos compétences numériques et commencent à apprendre de manière innovante les maths, les langues vivantes, etc., en utilisant des applications interactives. Aujourd'hui, la pandémie COVID-19 a eu un impact sur tout le monde, quelle que soit notre nationalité, notre niveau d'éducation, et les conséquences ont touché les plus vulnérables. Les élèves qui sont des environnements plus démunis doivent désormais s'adapter. Mais cette adaptation est plus pénible pour eux pour ce qui est de l'éducation en ligne. Les professeurs, avec le soutien de l'éducation nationale, eux aussi ont dû s'adapter au nouveau mode opératoire. Ceux qui sont des environnements plus démunis ont été coupés de l'éducation et ceci concerne aussi bien les élèves que les instituteurs. Donc la crise COVID-19 a souligné et a intensifié beaucoup d'inégalités en ce qui concerne le système d'éducation dans le monde entier. Ici, je parle de l'accès à l'Internet et des ordinateurs pour se connecter en ligne. Mais aussi, il faut mentionner le manque de soutien de la part de l'environnement et manque de ressources. Les enfants, les parents et les professeurs doivent puiser de leurs propres ressources pour pouvoir continuer son éducation sur Internet. Les professeurs doivent aussi s'adapter aux nouveaux concepts pédagogiques et à une nouvelle méthode de travail. Ils n'ont pas d'ailleurs tous été formés. Donc, ça aura un impact sur la qualité de l'éducation délivrée. Toutefois, les plus marginalisés parmi les élèves qui n'ont pas accès aux ressources d'éducation ou qui manquent d'engagement qui leur permettrait d'apprendre individuellement, ils sont le plus menacés. Donc, je pense que les parties intéressantes clés doivent être à la recherche de solutions pour maximiser l'amélioration de la qualité de l'éducation pour que personne ne reste derrière. Et si je parle des jeunes, mais aussi des jeunes handicapés, parmi eux, pas tout le monde a accès à un ordinateur dans ces temps difficiles. Donc, il faut se rassurer que nos communautés vont agir ensemble pour agir localement en trouvant des solutions. Par exemple, des bibliothèques locales, des stations radio ou des groupes de soutien local. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, passons
à la personne suivante. Il nous reste une quinzaine ou vingtaine de minutes, donc je voudrais qu'on parle de quelque chose maintenant de très important. Je voudrais poser une question à tout le monde. C'est pour cela que je voudrais que vous vous exprimez pendant un maximum d'une minute. Quelle est une activité concrète dans le cadre de la politique que vous voudrez que soit introduite pour atténuer cette fracture numérique après l'époque du COVID? Doris, peut-être, tu voudrais commencer? Oui. Oui, je pense que les analyses ont été similaires. L'infrastructure est une chose clé. Cela signifie que, même si l'idée de Jeffrey Sachs était provocatrice, il avait raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a de l'argent, il y a des données, et tout cela doit être débattu au niveau des pays G20 parce que c'est une question très politique. Je sais que l'SE a aussi proposé des solutions fiscales qu'on pourrait prendre en compte. La deuxième question, la Suisse est l'un des pays qui est l'un des donateurs le plus important ce qui concerne l'aide au développement. Il y a ici beaucoup d'instruments appliqués. Nous appliquons maintenant des instruments classiques, mais peut-être il serait mieux d'investir dans de telles infrastructures que l'infrastructure numérique et non pas dans l'infrastructure traditionnelle, les routes, etc. Donc, il faut aussi adapter la gestion à ce monde numérique multidisciplinaire avec plusieurs parties prenantes. L'IGF, lui aussi, doit être plus ouvert aux nouveaux experts, à la science, mais aussi aux hommes et femmes politiques. Et beaucoup de ministres et représentants du gouvernement qui participent à ces réunions doivent être plus ouverts. Et on sait que les gouvernements n'apprécient pas trop lorsqu'il y a trop de parties intéressées. C'est un game changer. Donc, c'est quelque chose qui est un élément clé qui pourrait attirer plus de personnes dans ce domaine d'activité pour voir clairement quels seraient les avantages lorsque plus de personnes auraient accès à l'Internet. Comment assurer ce bien-être à la planète? Ce serait beaucoup plus facile s'il y avait une infrastructure appropriée et les normes appropriées introduites. Je sais que notre forum pourrait travailler aussi beaucoup sur les standards, les normes, les valeurs éthiques ayant une grande importance pour notre monde contemporain. Bien sûr, les valeurs dans le monde analogue doivent être aussi appliquées dans le cyberespace, mais il faut en débattre. En débattre pour que ce soit un ensemble de règles qui pourraient nous aider sur notre chemin. En ce qui concerne fake news, dernièrement, nous avons bien vu que l'initiative numérique de la Suisse est telle que nous travaillons aussi beaucoup sur l'éthique de l'Internet, non seulement dans le domaine de l'analyse, mais on travaille sur des projets concrets. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de développer une solution dédiée de confiance numérique pour que les gens aient confiance dans les applications numériques. Oui, maintenant, Hulin Zhao, une activité politique qui devrait, selon vous, être appliquée. Oui, on a parlé de la vie privée et de la cybersécurité. Nous avons fait déjà un grand pas en avant là-dessus, mais il y a encore un problème qui devrait être résolu. Et bien que dans certains domaines, nous évitons ce débat, si nous évitons des débats, les problèmes ne vont pas disparaître. Ils sont sur la table, il faut en parler. Sans trouver de solution, on ne pourra pas avancer davantage. Encore une chose, d'une part, nous avons besoin d'argent, mais d'autre part, il y en a qui ont de l'argent. Donc, comment nous serons capables de faire le lien entre la société et la technologie, agir de manière appropriée? Nous avons vraiment besoin de beaucoup de bonnes idées. Merci. Maintenant, je passe à Thomas, le représentant du Bundestag. Premièrement, je voudrais dire que pas tous les gouvernements sont tellement sceptiques par rapport
cette approche basée sur plusieurs parties intéressées. Nous, nous y croyons. Selon nous, l'idée serait d'appliquer une initiative qui réduit les partages sociétaires. Il faut faire une initiative commune, unie, qui ne nous partage pas. Ce serait aussi une initiative qui se concentrerait sur la confiance. Malgré ce qui est fait par d'autres gouvernements, eh bien, l'Internet commercial, lui aussi, doit être accessible. Il faut lutter contre le monopole et ouvrir les possibilités pour de nouveaux acteurs sur le marché. Fidji, je vous donne la parole. Ce qui est très important pour nous, c'est d'atteindre un niveau spécifique de connexion. Nous avons atteint 95% dernièrement, donc il nous reste 5%. D'après ce que a dit Geoffrey, oui, je suis d'accord qu'on peut justement être quelqu'un sur lequel on peut expérimenter ce qui concerne les nouvelles connexions. La dernière voix, Paul Tai, du Saint-Siège, une mesure politique que vous voudriez qu'il soit introduite. Je pense que nous sommes à la recherche de possibilités de créer de meilleures connexions pour donner les possibilités de meilleure communication, pour que les gens soient liés par des plateformes de communication. Du point de vue économique, c'est assez facile, mais pour moi, l'important, c'est d'éduquer les gens pour leur assurer un bon niveau d'information et une utilisation responsable des technologies. Merci. Merci beaucoup. Victoria Grant, une mesure politique à appliquer. Bien sûr, le cryptage est vraiment menacé maintenant dans le monde. Je voudrais que l'Internet soit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sûr pour qu'on ait la possibilité d'utiliser des plateformes cryptées à des échelles plus larges. Il y a aussi des doutes concernant les grandes corporations technologiques. Nous le comprenons bien parce que tout le monde se concentre maintenant sur les plateformes numériques pour nouer de la communication. Le nombre de ces plateformes augmente. Mais grâce à cela, des millions d'entreprises peuvent bien communiquer. De personnes individuelles peuvent communiquer, même transférer leur activité économique en ligne. C'est une question de survie souvent. Pour plusieurs entreprises, ça a été très important. Merci. Merci. Chad García Ramiro, quelle est la mesure que tu voudrais qu'elle soit introduite? Je voudrais qu'il y ait du soutien, plus de résistance. Nous avons besoin d'un modèle qui se complète. On ne peut pas maintenant se reposer seulement sur la télécommunication. Déjà, nous avons des modèles de télécommunication au niveau local, mais ça doit être accompagné par des réglementations nécessaires pour appliquer des modèles complémentaires. Ceux qui ne sont pas connectés, on veut qu'ils soient connectés. Il y a cette capacité. Nous sommes une petite organisation, mais en même temps, nous créons des fonctionnalités, des capacités dans des réseaux locaux différents ensemble avec nos partenaires. Et ces modèles sont accessibles, sont disponibles. Les régulateurs, ils sont d'ailleurs intéressés. Je voudrais m'adresser à M. Gao. Vous avez parlé d'investissement, d'innovation. Bien sûr, tout cela, c'est un élément de réseau local basé sur des communautés locales. Bien sûr, merci. Gao, vous avez 15 secondes pour répondre. Oui, je souligne l'importance aussi des petites, moyennes et petites entreprises parce que les opérateurs de télécommunications investissent beaucoup, mais ils n'auront pas de succès s'il n'y avait pas de soutien de la part des PME, parce que les PME, c'est un groupe fantastique d'innovateurs. Ils savent très bien quels sont les besoins de la communauté locale, donc leur soutien est vraiment très appréciable. Bien sûr, les sociétés de télécommunications ont des problèmes
avec les experts en informatique, il y a une lutte interne dans ce secteur, au sein de ce secteur. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut créer un environnement où l'on encouragerait les gens à ce qu'ils aillent de l'avant, créer des mesures et des conditions pour que ce genre d'investissement vise les régions concernées, le niveau local. Donc, meilleure technologie d'information pour une meilleure vie, pour avoir de bonnes idées, etc. Et donc, voilà, c'est pour cela que les idées de Jeffrey Sachs sont souvent mentionnées. Pamela? Une mesure dans le cadre de la politique qui devrait être appliquée en général. Premièrement, ni en Moldavie, ni en Autriche, je n'ai vu d'engagement des jeunes dans les débats de l'IGF. Donc, s'ils sont engagés, c'est dans une petite mesure. Je travaille à Vienne et je peux donc réaliser plus de choses au niveau du siège. Je voudrais inclure plus de jeunes dans nos débats. Le débat de notre forum. Ici, l'on pourrait parler, par exemple, de l'éducation en ligne. L'on pourrait créer un groupe de jeunes du monde entier pour pouvoir parler des défis les plus importants et des solutions à appliquer après l'époque COVID dans leur société, communauté locale. Il faut aussi partager nos idées avec les décideurs politique dans les institutions internationales ou globales telles que l'ONU ou le partenariat global pour l'éducation. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Jeffrey Sachs, tu es le dernier, mais les idées concernant le bien-être des autres ont déjà été présentées. Ça a été déjà présenté, mais qu'est-ce que voudriez-vous qu'il soit introduit? Oui. Je recommanderais que chaque année, chaque école et même chaque médecin soit connecté à l'Internet. Ce serait absolument pratique que dans 4 ans, justement, chaque personne dans le monde puisse être connectée à l'Internet. Il s'agit seulement d'assurer des équipements de base et assurer un financement de base pour le faire. Je voudrais aussi dire que la réglementation est capable de faire une pression sur les entreprises pour changer les choses, mais ce qui est important, c'est que, par exemple, c'est Facebook et Amazon qui ont beaucoup d'argent, le plus d'argent. 4 personnes aux États-Unis ont 540 milliards de dollars, y compris le propriétaire de la société Notary. Ils ont augmenté donc leurs ressources, 204 milliards. Que voudrait faire Facebook, par exemple? Voilà. C'est une question très importante. Nous avons des milliers d'enfants qui ne peuvent pas maintenant apprendre, n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas accès à l'Internet. Et l'argent dont on parle, c'est vraiment une partie infime de ce que ces gens ont pu gagner les derniers mois. Maintenant, ils sont des milliardaires. Donc, l'on ne peut pas, dans cette situation-là, vraiment souffrir lorsque nous avons à notre disposition tellement d'options pour résoudre ces problèmes, mais il faut juste comprendre où ces options sont présentes. Et ici, il s'agit de grandes sociétés de télécommunications et de technologies qui ont gagné de l'argent dans ce secteur. Et comme ça a été dit, les PME entrent sur ces portails Internet et donc allons de l'avant et assurons l'accès universel à tout le monde, aux enfants à l'école, etc. Je sais que Mark Zuckerberg voudrait que les enfants s'éduquent, donc ce serait bien qu'ils nous aident financièrement. Donc, des milliards sont gagnés, donc il y a de grandes fortunes. Donc, essayons d'appliquer des solutions appropriées pour que chaque enfant soit en ligne et chaque enfant soit en ligne. Merci. Voilà. Et maintenant, Victoria, tu as 10 secondes, vraiment.
Nous devons parler des investissements. Lorsque Facebook a acheté WhatsApp, nous avons pu faire des choses qui étaient impossibles avant. Donc, il était tout d'abord possible d'investir pour que WhatsApp soit accessible gratuitement pour tout le monde dans le monde. Vous savez que pour transmettre, envoyer les messages, les textos, ça coûtait très cher dans le passé. Et grâce à Facebook, ceci est devenu gratuit. À part cela, c'est privé. Donc, ce projet a été soutenu pour que le niveau de la vie privée était garanti à 2 milliards de personnes. Facebook a aussi fait en sorte qu'on a pu non seulement envoyer le texto, mais aussi assurer la communication vidéo et par la voix. Donc, c'est très important à l'époque de la pandémie. Merci, Victoria. Moi, j'aime bien votre technologie. Je pense que votre technologie, c'est une très bonne solution pour le monde. Moi aussi, je pense que puisque 32 milliards de dollars, c'est ce que Mark a gagné uniquement au cours de cette année, il peut quand même donner quelques milliards à l'Afrique. Ce n'est pas que vrai que chacun a l'accès à WhatsApp. Si quelqu'un n'a pas de compte, si quelqu'un n'a pas de téléphone mobile, il n'a pas d'accès. Donc, si tout le monde a l'accès, alors ça sera possible, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'accès. Il y a des enfants qui non seulement n'ont pas d'accès, mais qui n'ont pas d'accès, donc ne peuvent pas suivre les cours à l'école. Donc, il faut penser à cette responsabilité. Il faut que ces enfants soient de retour à l'école. Les technologies sont fantastiques. Jeffrey, merci. Oui. Voilà, un peu OJ. Donc voilà, je voudrais remettre de l'ordre dans tout cela. Et maintenant, G20, ça sera très important. Et c'est l'Italie qui reprend la présidence tournante. Donc, ça peut être un sujet qui sera abordé pendant le G20. Nous avons encore 5 minutes. Je voudrais donc demander à vous tous pour dire ce que vous voudriez faire pour que tous ces agendas soient réalisés. Voilà. Nous allons essayer de faire tout pour qu'on soit pour vous tous, pour investir en ICT, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Nous parlons ici de la communication pour les écoles. Lorsque l'année 2020 sera révolue, nous voulons qu'il sera possible de connecter les écoles. On a voulu le faire jusqu'à 2015, mais ça n'a pas été fait. Quand j'étais pas loin de Fidji, à Tongan, en 2016, j'y visitais 2 écoles, une école primaire et secondaire. Il n'y avait pas de connexion Internet dans ces écoles. À Lesotho, où j'ai été il y a 2 ans, ils ont lancé un programme de pilote 5G. Et à la montagne, sur la distance de 100 km, il n'y a pas une seule connexion Internet. Donc, ce sont des choses à résoudre et c'est quelque chose qui va nous préoccuper très fortement. La connexion, c'est une chose pour ces personnes. Et une autre chose, c'est d'améliorer la qualité de service. Donc, pour avoir l'Internet des objets, 5G, voilà, toutes ces choses-là, tout cela est important pour qu'on puisse travailler, pour que ça soit présent pour nos communautés. Maintenant, la personne suivante. Au début, je voudrais redire ce qui a été dit déjà. Donc, concernant Facebook, je trouve que le fait que quelque chose est gratuit, cela ne veut pas dire que cela permet de résoudre le problème, parce que on n'est pas capable de proposer une alternative. Si quelque chose est gratuit, mais quand même, nous payons un certain prix, mais qui n'est pas peut-être un prix en argent, qu'est-ce que nous faisons? Donc, pour donner la possibilité d'agir à FGI au cours de l'année dernière, nous avons donc 150 000 $ américains. C'était lié au déplacement fait par le représentant des régions un peu partout dans le monde. Et il y avait cette approche qui engageait différentes parties prenantes et les personnes du bureau de FGI. Nous sommes donc toujours impliqués dans le domaine de la gouvernance sur l'Internet et nous travaillons sur la future architecture. Et au cours de cette année, nous assurons le soutien logistique
à la table ronde parlementaire. Nous croyons que c'est très utile, très juste pour garantir non seulement au gouvernement, mais aussi aux parlementaires, aux députés de participer à cela. Je voudrais le représentant de Fidji. Nous avons dit que l'ère numérique était quelque chose qui permet d'égaliser les chances, les opportunités, mais non, ce n'est pas vrai. Cela montre les fossés qui nous séparent. Et nous devons parler de la qualité de communication, des connexions dans l'hémisphère du Sud. Les choses se présentent tout à fait différemment. Nous pouvons donc dire que beaucoup de pays comme le nôtre ne sont pas vraiment un grand acteur. Notre économie n'est pas très puissante, mais nous voulons quand même que les sociétés soient connectées. Il faut donc mettre en place les innovations, il faut prévoir les fonds, il faut prévoir un certain somme pour assurer le fonctionnement des sociétés de télécommunications, des communications. Nous avons aussi des centres de télécommunications que nous voulons avoir chez nous et aussi d'autres infrastructures pour différentes sociétés de télécommunications, de radio, de télévision pour réduire les coûts de capital pour qu'on puisse se concentrer davantage sur la livraison de services. Donc ça, c'est critique pour nous. Merci. Chez vous, c'est le temps pour se coucher. Maintenant, on est à nouveau au Vatican. Donc, la première chose, c'est que le Vatican va essayer d'encourager l'Église à appliquer les ressources et les possibilités qui existent, qui sont celles à distance. Donc, pour que la personne soit plus sensibilisée sur tout ce qui concerne ce contexte et pour qu'ils puissent utiliser les technologies pour atteindre l'objectif. Nous parlons de certaines choses qui sont faites par les gens et non pas par la technologie, et c'est ce que nous voulons promouvoir. Et maintenant, Chad Garcia à Milan, quels sont les engagements de votre côté? Nous allons poursuivre l'accroissement des possibilités, de potentiel pour assurer une plus grande opportunité pour des communautés locales. Nous voulons donc vraiment rapprocher les gens les uns des autres pour combler les fossés existants grâce aux investissements. Nous voulons frapper à la porte des organes de régulateurs, des hommes politiques pour qu'ils puissent faire quelque chose, changer quelque chose, mener une politique qui pourra aider à créer ces réseaux de communication au niveau de la communauté. Merci. Et maintenant, Pamela Cretu, est-ce que toi, tu voudrais proposer quelque chose? Oui. Comme c'était déjà dit, nous avons besoin de plus de jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent participer aux discussions de FGI, donc d'un groupe de jeunes. Et nous voulons aussi identifier les solutions globales, comme par exemple les bibliothèques de communauté. Il y a certains espaces vides qui ne sont pas utilisés pendant la pandémie. C'est pourquoi les élèves, ceux qui n'ont pas d'accès, ceux qui n'ont pas d'infrastructure, qui ne peuvent pas se connecter, ils doivent avoir la possibilité d'accéder à ce site, bien sûr avec le régime sanitaire, avec les fenêtres, avec l'aération et tout ça. Mais il faut que ces infrastructures soient utilisées parce que ce sont les infrastructures qui existent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Merci, Pamela. Nous voyons que c'est vraiment c'est un grand louange pour la voix de jeunes. Je suis vraiment désolée de n'avoir pas pu répondre aux questions qui sont posées dans le cadre du chat, mais nous allons quand même y revenir après. En même temps, Victoria Grant, peut-être un engagement où on va revenir à cet argumentaire présenté avant. Nous voulons donc créer une source fiable de services pour assurer la communication personnelle, même dans les endroits où l'accès à l'Internet est limité. Nous voulons qu'il y ait des plateformes chiffrées pour que ça soit vraiment fiable, et nous allons aussi
nous allons aussi répondre aux initiatives gouvernementales qui veulent nous contrôler, qui veulent désactiver nos caméras sans notre accord. Donc voilà, donc nous voulons répondre à toutes ces actions gouvernementales qui veulent nous espionner. Geoffrey Sachs, donc maintenant, nous ne voulons pas que qui que ce soit reste en arrière. Donc, c'est là, il faut être décent. Ça, c'est le principe que nous devons respecter. C'est très bien comme quelque chose à dire, un message de clôture. Et je remercie à toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre, à ce panel. Je vous souhaite une très bonne rencontre. Je suis persuadée qu'il y aura d'autres panels très intéressants qui vont suivre. Je remercie à toutes les personnes ayant participé. D'ici de Londres, je vous souhaite à vous tous une très bonne journée et un forum bien réussi. Je vous remercie. Merci, merci à vous tous. Merci. C'est dommage que le temps soit terminé. Voilà. 谢谢谢谢